merci. Je suis Paul Banzai, leader technique d'Assaut de Fort. J'ai le droit de vous présenter les partenariats stratégiques pour la relance du groupe Oiseau. Alors, en introduction, on peut dire qu'on a introduit d'abord le point de réalisation, c'est celui-ci. On va faire l'introduction, poser le diagnostic, fixer les objectifs, puis définir les principaux domaines du partenariat, estimer aussi le potentiel de mise en œuvre, puis voir quelles sont les stratégies en place, quels sont les impacts, et puis nous allons conclure. Je pense que l'exposé qui m'a précédé a fait bien l'introduction. Donc, on assiste aujourd'hui à une dégradation continue du couvert forestier et à l'appauvrissement des périmètres aussi des forêts classées. Donc, il y a des difficultés pour l'approvisionnement des industries en produits ligneux. Et puis, il y a aussi les engagements internationaux de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne l'accroissement, l'augmentation de la couverture forestière au niveau national pour passer de 11% à 20% en 2030. Ça suppose qu'on aura instauré à peu près plus de 3 millions d'hectares. D'où la nécessité de lancer un véritable plan Marshall pour le reboisement, ce qui rend indispensable l'implication effective et active de tous les acteurs. Alors, quel lien ce qui a été posé? Aujourd'hui, au niveau, on a fait, pour raccourcir un peu le débat, pour ne pas allonger le débat ici, on a fait une analyse forte qui présente les forces, les faiblesses, les potentialités des obstacles. Au niveau des forces, il y a l'expertise qui est disponible pour le reboisement. Il y a une grande capacité de production de semences de qualité au niveau de la seule forme. Et une expérience antérieure de coopérative de travailleurs forestiers basée sur le modèle canadien et Québec. Aujourd'hui, on a beaucoup de surfaces forestières à reboiser. Et donc, tout ça, ça représente aussi un potentiel énorme en création d'emplois. En ce qui concerne les faiblesses, bien sûr, c'est le gros problème, c'est l'insuffisance des ressources financières, la faible capacité organisationnelle, le coût élevé des travaux de reboisement, l'insuffisance des entretiens de gestion civique des anciens reboisements, et puis la faible implication de tous les acteurs. En ce qui concerne les opportunités des obstacles, on peut citer entre autres l'essence de quota de reboisement qu'on pense à quoi, c'est important, c'est un gros potentiel. Il y a un besoin important en matière de ressources ligneuses pour les opérateurs. Donc, aujourd'hui, il est important qu'on s'appuie sur le reboisement pour reconstituer la ressource de la propriété des forêts. Il y a un besoin, il y a le chômage, bien sûr, donc, il nécessite de créer des emplois pour favoriser aussi le développement économique et social. Donc, il y a un besoin aujourd'hui énorme en terres cultivables. C'est tout le plan pour nous, une potentialité pour nous, c'est une opportunité pour nous. Et puis, je vais parler des engagements à la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les obstacles, on peut citer l'occupation de certaines cultures par les paysans, de certaines surfaces à reboiser par les paysans. Et puis, il y a toujours l'agriculture qui est basée sur des techniques qui détruisent les forêts. Bon, nous trouvons que l'appui de l'État est encore insuffisant. Alors, quels sont les objectifs visés par ce partenariat? Il s'agit de développer de manière durable les plantations forestières. Au niveau de l'objectif spécifique, il faut réaliser un vaste programme efficient de reboisement à travers des partenariats variés, inclusifs, au bénéfice de toutes les parties prenantes dans un cadre sécurisé et transparent. Nous avons identifié des domaines de partenariat. Il s'agit en premier lieu d'optimiser le reboisement compensatoire dans les forêts classées. Ensuite, il faut mettre à niveau les anciens reboisements disponibles à la Côte d'Ivoire qui n'ont pas un retard de sylviculture, travaux sylvicoles, d'entretien. En troisième lieu, il faut créer de nouveaux reboisements selon bien sûr certains objectifs qui sont la production, la conservation, etc. Et pour voir le reboisement éco-citoyen,
promouvoir la recherche et développement et promouvoir aussi la culture vivrière sur les parcelles de Ouassou. Alors, si nous prenons maintenant point par point, selon ce qu'on vient d'énumérer, pour l'optimisation en ce qui concerne le logement compensatoire, il faut négocier de nouvelles conditions de réalisation de ces logements compensatoires pour qu'ils soient effectivement réalisés dans de bonnes conditions. Choisir ensemble les sites et le matériel végétal de manière consensuelle et puis recouper ces logements sur des sites sécurisés, appelés pôles agroforestiers d'au moins 500 hectares et puis accorder des droits de péremption aux opérateurs concernés. Pour le deuxième niveau, la mise à niveau d'anciens rebondissements. Bien sûr, on doit faire les évaluations financières qui sont nécessaires, et puis les cahiers des charges, signer des contrats, et puis à la révolution, le voir les missions partagées selon les normes et les thèmes de pour la création de nouveaux rebondissements, nous avons à ce niveau des rebondissements de production, des lois de conservation. Donc on va situer les deux camps. Pour les lois de production, la zone de forêt met à disposition une forêt ou une parcelle. On négocie le contrat et puis il y a les accords qui sont signés. Ce contrat est signé entre la zone de forêt et le partenaire qui peut être une personne physique ou morale, c'est-à-dire quelqu'un qui est privé, qui a des enfants, qui veut créer un gisement de terre ou une autre plantation, qui signe un contrat avec la zone de forêt ou bien un industriel, etc. Donc, au terme du peuplement, les bénéfices sont répartis toujours selon le terme du contrat. Pour les revoisins de conservation, il s'agit généralement de puits de carbone. Donc, l'opérateur qui vient pour donner, fait un don à la source de forêt pour créer ce revoisement. Et après, bon, la source de forêt, soit les deux parties partagent les puits de carbone, ou bien. La source de forêt gère à ce sur le voisin. Donc, au plan économique, les deux partenaires gagnent de l'argent et le développement sur la base des crédits carbone. Et au plan écologique, la forêt est conservée. Le quatrième niveau, le voisinement de co-citoyens, ici, il y a des conventions qui sont établies entre la source de forêt et des personnes physiques ou morales, des entreprises privées, dans le cadre de la responsabilité sociétale et environnementale, pour la réalisation des voisinements sous forme de dons. Selon les objectifs qui sont fixés par le donateur, ce reboisement peut être à but de conservation purement ou non. Donc le partenaire, quand on a un engagement citoyen, apporte une contribution à la restauration de l'ouvert forestier et à la révolution. Il n'y a pas de partage de bénéfices ici. La parcelle demeure la plus petite du temps. Si elle est exploitée, elle sert à contribuer au financement du reboisement. Si elle n'est pas, si elle a but de conservation, elle reste pour le volet conservation-protection. Alors, le cinquième niveau, c'est la promotion de la recherche et développement. Donc, dans ce domaine-là également, ça aide à améliorer les outils techniques pour la création de reboisement, l'amélioration du matériel végétal, la production de nouvelles essences, la promotion de nouvelles essences et la reforestation, etc. Il y a aussi un autre volet qu'on a ajouté, qui est la promotion de culture vivrière sur des parcelles dédiées au reboisement. Ici, l'objectif, c'est de réduire le coût des travaux. Favoriser la croissance des plantes. Lorsque les plantes sont associées, les cultures vivrières sont associées au reboisement, la croissance initiale est double. Il faut améliorer la sécurité alimentaire et puis générer aussi des recettes pour financer le reboisement. Donc, des conventions peuvent être établies entre la zone de forêt, les opérateurs privés, les coopératives de vivriers, les éleveurs du bois qui veulent aussi réduire leur coût, qui veulent avoir ces parcelles pour reboiser en y associant les cultures vivrières. Alors, on vous présente ici juste un schéma d'un pôle agroforestier, comme on vient d'expliquer. Puisque tous les reboisements seront concentrés maintenant sur ces sites. À la première année, par exemple, la ville numéro 1, la parcelle est bien sûr cultivée en association de cultures vivrières, avec des cultures vivrières. Et puis, les parcelles qui sont programmées pour les années futures peuvent être mises à disposition de ceux qui veulent pour faire des cultures vivrières. C'est à l'avantage que. Lorsque nous arrivons sur ces parcelles, les travaux sont déjà plus ou moins réduits, donc ça réduit le coût des travaux. Et on a aussi des recettes pour financer toujours le reboisement.
quel est le potentiel disponible aujourd'hui à la Sauve Fort. Aujourd'hui, on a fait un peu le tour par objectif de plantation, de tout et tout, conservation. Il y a un potentiel disponible d'à peu près 35 000 hectares par an. S'il y a des partenaires privés aujourd'hui qui veulent venir, il y a un potentiel disponible d'au moins 35 000 hectares par an. Donc il y a un potentiel. Au 2018, par exemple, lorsque nous avons engagé les préparatifs pour les travaux par forêt, par exemple, on a cartographié et sécurisé des parcelles bien sécurisées, bien situées. Nous sommes, bon, le tableau ne se fait pas bien, on est à 15 000 hectares hein, pour les forêts déjà identifiées et cartographiées. Nous sommes à 15 000 hectares. Alors, donc, le tableau, ça ne sort pas bien à l'écran, le total n'est pas bien sorti parce que c'est pas bon plan. On a à plus de 15 000 hectares pour des parcelles déjà cartographiées et disponibles. Alors, quelle est la stratégie développée? Pour ça, on dit qu'il faut sensibiliser toutes les parties prenantes, ça a commencé aujourd'hui, entre autres. Il faut sécuriser les investissements réalisés, donc créer les conditions, impliquer toutes les parties prenantes, utiliser du matériel végétal de qualité. On a un centre de semences qui produit des semences de qualité. On va inviter tous les opérateurs, principalement, à s'approvisionner pour faire des semences de semences. Il faut promouvoir de nouvelles essences. Ça, tout le côté recherche et développement tout à l'heure. Il faut aussi favoriser l'agroforesterie, j'ai parlé de la culture vivrière. Instaurer un cadre propice pour le développement des partenariats publics privés. Et puis appuyer l'émergence des coopératives citoyennes forestières, des PME, au niveau des communautés locales pour l'exécution des travaux forestiers. Donc ils vont travailler sur le processus. Au niveau des impacts, la couverture forestière sera améliorée, il y aura création d'emplois. À ce niveau, si nous reposons par exemple selon ce modèle économique, 10 000 hectares, 1 000 hectares par an, sur 10 ans, on aura créé 1 000 emplois permanents. On aura redistribué plus de 5 milliards de revenus aux communautés riveraines impliquées dans l'exécution des travaux forestiers. Donc, il y a toujours l'approvisionnement, la ressource est garantie pour les industriels. Imaginez-vous tout le reboisement compensatoire, par exemple, qui est réalisé depuis quelques années. Si on avait tout capitalisé, c'est un potentiel énorme pour approvisionner le municipal. On peut conclure rapidement, comme le modérateur me presse. La Sauve Fort dispose d'un fort potentiel foncier en matière de création de reboisement sécurisé. Cela ne peut se faire que dans un cadre de partenariat au bénéfice de tout le monde, tous les acteurs, opérateurs du bois, collectivités locales, ONG, personnes physiques ou morales, etc. Ces partenariats permettront de reconstruire les forêts dégradées et d'assurer la pérennité de l'approvisionnement en ressources ligneuses à la satisfaction des besoins de tous les acteurs. Je vous remercie.